souvenir une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est arrivé? Information qui est tombée. Là. Au-delà du sud. Là, ça s'est fait, mais là, son chocolat, bah, finalement, là. Je
des mécolis. Moi me tourne sans mille et me cabine et le colis. Moi et tout le col. Me disent dans les temps et se font les gens au col. Nao m'a damné. Pas me damné sur un peu. Il t'a mené. Moi j'en ai vous. Mais les bains n'y a vous. Me dites pas me voulez ce gars. Moi aussi y'a des ce gars. Où le sema est vite à un mot. Où tu go à tu tiens. Où tu go on a tout à mener. C'est dit. Où tu go on me n'est calme. Des mécolis, ma mère tu ne sens mille et me cabine et le colis. Moui tout le col, me disent dans les temps, mais c'est ça les trompes. N'a aucun pas de temps, et sur un peu, il t'a mené. Moi j'en ai vous, mais les belles ligues à vous. Me dites pas, me voulez ce gars, moi aussi y'a des ce gars. Pour eux, c'est moi, évident, un mot tchap, où tu go, un tout tchap, où tu go, on a tout à mener, c'est dit, où tu go, on me n'est calme. C'est tout tenu. Des mécolis, ma mère tu ne sens mille et me cabine et le colis. Nous et tout le col, nous disons dans les temps et ce sont les gens au col. Nao m'a damné, pas de temps et sur un peu, il t'a mené. A la discussion avec Frank, n'est-ce pas? Des fois c'est pour Frank, c'est pour cela. Ne dites pas me voulez ce gars, nous aussi y'a des ce gars. Pour le sema et puis t'as un mot tchap, ou tu go, un mot tchap. Ou tu go, on a tout à mener, c'est dire, ou tu go, on me n'est calme. Léo est une invitation à la marche du 19 mars 2023 au SAP. On s'en trouve en matin sur le direct. Moui tout le col, nous disons dans les temps et ce sont les gens au col. N'allez pas t'amener, pas de temps et ce sont un peu plus tard. Moi j'en ai vous, mais les bénis à vous. Mais t'es pas le plus de ce gars, moi aussi y'a des ce gars. Pour le sema et puis t'as un mot tchap. Où tu go, un tout tchap. Où tu go, on a tout à mener, c'est dire. Où tu go, on me n'est pas. Il veut pas composer, il parle qu'il peut m'embêter la panchi. Je vais faire de l'autre direct. C'est un peu quoi comme ça qu'il m'appelle. Allô. Des mécolis, ma mère tu ne sens mille et me cabine et le colis. Moui tout le col, nous disons dans les temps et ce sont les gens au col. Nao m'a damné, pas de temps et sur un peu, il t'a mené. Moi j'en ai vous, mais les belles ligues à vous. Ne dites pas me voulez ce gars, moi aussi y'a des ce gars. Pour le sema et puis t'as un mot tchap. Où tu go, un tout tchap. Où tu go, on a tout à mener, c'est dire. Où tu go, on me n'est calme. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il y a quelque chose. Le nouveau site. Il y a quelque chose qui est en préparation au Cameroun. Donc, quand les gens vont être au courant de ça, c'est le démantèlement. De l'Union. C'est la phase de démantèlement du Cameroun. Et on ne vous parle pas de ça. On vous parle de l'assassinat de Martinez Zogo. Paul Biya est vieux. Les vieillards nous dirigent au Cameroun. C'est monté, c'est descendu. Et vous le savez dire? Non. Mais tout y continue du monde. Sauf que on est en train de démanteler la République. Je vous coupe parce que là. Bonsoir. Attendez, je tourne d'abord. On est en train de démanteler la République, on ne dit à personne. Et moi, je vais vous dire ça. On parle pas de ça. On vous distrait. Oh, il y a la guerre, Béti, Bamileke. Oh, il y a la guerre. C'est pas de ça qu'il est question. Attendez, je vais vous parler de ça.
tout le machin, je vais vous montrer ça. Je vais aussi vous passer l'éditorial de Sismondi Balen Bichoka. Je commence même par ça. L'éditorial de Sismondi Balen Bichoka. Écoutez l'éditorial de Sismondi Balen Bichoka. Je préviens tout le monde que moi, j'ai pas un problème à ce que les gens doivent faire. Mais la seule question que je me pose, c'est que, mais Sismondi, notre frère Sismondi là, donc, il veut nous dire que ce que, si quelqu'un a l'éditorial de Sismondi là, il m'envoie. C'est ça, voilà. Et aux ambassadeurs laborantins, il y a quelques bonjour. Bonjour à tous. Écoutons. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Depuis environ 5 ans, le phénomène d'empoisonnement a pris de l'ampleur dans notre environnement social. Accompagné par celui des AVC et autres avec cardiaques, attaques pulmonaires, essais brutaux, etc. J'ai attendu que Martin fasse une enquête chiffrée avant. Alors j'ai fait la mienne avec des données de terrain que nous rassemblons dans les médias. Aidé en cela par un médecin et un laboratoire. J'ai découvert quelque chose d'assez grave, très grave, pour ne pas taire longtemps, pour garder longuement. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tout le matin, Sismondi Balen Bichoka. L'édito. Comment et à grâce, madame, monsieur, chers amis. Moulon, c'est tous les matins, Sismondi Balen Bichoka. Les tito. Madame, monsieur, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Il va bien falloir qu'on nous le dise. Il va bien falloir qu'on nous dise comment un fils de ce pays a réussi, toute proportion gardée, à transformer une institution de haut lieu en sombre tanière de sorcier où, à lui tout seul, il réussit. Une fois de plus, l'exploit de se mettre toute la République à dos. Il va bien falloir qu'on nous explique un jour comment un fils de ce pays a décidé de se mettre au-dessus de la loi et d'y rester sans que ça ne dérange personne. Bill Clinton et bien d'autres présidents américains n'auraient pas osé. Ils ont été entendus par des juges sur des affaires et d'autres. Bill Clinton et d'autres présidents américains n'auraient pas osé. Mais au Cameroun, la pieuvre a décidé qu'elle ne sera pas entendue. C'est la première personne qui se met au-dessus de la loi dans notre pays depuis la création de l'État du Cameroun. Même Aïdjo, l'ancien président de la République, dictateur avec tous les pouvoirs, n'avait jamais osé se mettre au-dessus de la loi, encore moins son successeur. Il va bien falloir qu'on nous l'explique un jour comment tout cela est arrivé. Une tanière de sorciers, ou à lui tout seul, il réussit une fois de plus l'exploit de se mettre toute la République à dos, à faire du premier venu un ennemi potentiel, pour rire gratuitement comme ça. Aujourd'hui, seul dans son délire, il ne sait plus à qui s'en prendre. Tout le monde le fuit, et l'évite comme la peste. Martinez Zogo était son porte-flingue naïf. Il l'a utilisé en lui faisant miroiter un avenir en or et une protection quasi présidentielle. Mais l'enfant d'autrui a été exécuté par des hommes de la pieuvre. Il fallait s'y attendre. Dans son coin depuis un certain temps, abîmé, déboussolé, le cœur noir de haine, il en veut au monde entier. Un membre du gouvernement qui était installé à ses côtés par le protocole à l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale, tout un ministre s'est levé pour ne pas avoir à lui serrer la main. C'est grave. Tu n'as jamais vu dans la République. Martinez Zogo, éliminé, il recherche une visibilité pour survivre.
Encerclé de toutes parts, l'homme est désespérément seul et isolé. Trois forces concourent à empêcher cette épave de nuire davantage au lieu de s'occuper du travail pour lequel il avait été nommé. Les Américains distinguent tout ça par le bon, la brute et le truand. Chez nous, en Afrique, on parle de la bête, du sorcier et du serpent. Quand vous incarnez à vous tout seul une telle trilogie, eh bien croyez-moi, vous avez atteint le siège du mal, le socle même de l'émanence démoniaque. Quand une seule personne est détestée, rejetée par tout un pays, jusqu'à ses frères, jusqu'à ses propres frères, faut savoir qu'il est temps de pulvériser l'insecticide. Et moi, je me contenterai de tirer la chasse. À sa gauche, il ne voit personne. Il a décimé nos hauts lieux. À sa droite, il y a encore le ministre, le respectable ministre Samuel Vodayolo du cabinet civil. Monsieur Mumpro, quand on le dit, c'est vrai, mais quand on le dit, ça transforme les yeux de la pieuvre en foyer de feu. Eh bien, c'est pourtant la réalité. Son sens élevé de l'intégrité irrite la pieuvre. Pour qui connaît le monde, la pieuvre qui voudrait bien faire de tout le monde des gens qui lui ressemblent. Malheureusement pour lui, le sens élevé de l'intégrité dont jouit le collaborateur du président de la République au ministre directeur du cabinet civil l'irrite à l'infini et pourtant il aimerait faire de lui quelqu'un de ressemblant. Pour lui, tout le monde devrait être sale, avoir du sang sur les mains et condamné à un enfer Satan. Un enfer Satan où lui-même brûlera auprès des cornes du Satan. Évidemment. Environnement délétère, suspicion générale, défiance, distance, chacun est sur ses gardes. Le dangereux prédateur veut tout détruire. Seigneur, combien de temps ça va encore durer? Combien de temps? Prenant celui que tout le Cameroun s'accorde à dire qu'il est le seul digne de confiance, prenant donc ce monsieur pour cible, ces dernières 48 heures, il a acheté quelques pages d'un magazine où il demande aux journalistes d'écrire sur le ministre directeur du cabinet civil à propos de la chute de la chaîne de télévision Afrique 24. Et pourtant, je leur ai donné des conseils gratuitement comme conseil. Quand on atteint un certain niveau, il faut se vanter au moins qu'on parle de soi, que ce soit un journaliste d'un certain grade et d'une certaine considération qui soit auprès de vous pour vous aider à publier vos sales négondices. Et l'article qu'il fait publier pour salir Samuel Vodayolo, pour que ce dernier lui ressemble, c'est-à-dire que tout le monde voit être sale, personne ne doit rester propre. Eh bien cet article, c'est du réchauffé puisé sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est comme ça que travaille la presse périphérique. On retrouve par exemple dans ce magazine le titre « Enquête sur les fonds décaissés par le ministre des Finances et la Société Nationale des Hydrocarbures au profit du cabinet civil pour des opérations financières pilotées par Samuel Vodayolo. » Sans compter que c'était un magazine taliban. Oui, le Cameroun a acheté une chaîne de télévision. Et le problème, il est où? Le Cameroun a acheté une chaîne de télévision. C'est normal, l'acte est à applaudir. Il fallait donc que quelqu'un soit à la manœuvre pour un tel achat qui va vendre l'image du Cameroun. Vous savez, la technique qui consiste à présenter un secret de polichinelle par des gros chiffres comme un scoop, tout le monde la connaît déjà. Nous la connaissons tous. Il fait raconter cette histoire d'acquisition de la chaîne de télévision par l'État du Cameroun avec des chiffres que tout le monde connaît. Eh bien, je ne vois aucunement le ministre Vodayolo a pu faire. Au contraire, c'est un acquis formidable. Si finalement Africa 24 appartient à l'État du Cameroun, c'est un acquis formidable. Un acquis formidable qui permet de mieux vendre l'image du Cameroun et sa vision politique. Vous savez, je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien d'aller à l'école quand on n'a rien dans la tête. De multiplier les diplômes, sans savoir rien en faire. Essayer de salir son frère du gouvernement en demandant de publier un acte autorisé par le président de la République et qui allait jusqu'au bout pertinemment et le présenter comme une malversation, c'est nul, complètement nul. Je l'imaginais plus intelligent que ça, mais là, croyez-moi, c'est vide, il n'y a rien. Le président de la République mérite mieux, il mérite vraiment mieux. Celui qui devait être ministre d'État, c'est Samuel Vodayolo, pas l'autre. Félicitations, monsieur le ministre Samuel Vodayolo. Cette chaîne de télévision que le Cameroun a achetée va nous aider à vendre la vision de notre pays, à vendre la vision politique de notre pays et surtout l'image de notre pays. Ça, c'est fondamental. En ce temps qui court sur le plan international, tous les pays, quel pays n'aimerait pas avoir son mot à dire, médiatiquement parlant, sur la scène internationale. Africa 24 est une chaîne de télévision internationale. Eh bien, je serais très fier de savoir que l'État du Cameroun détient un tel bras de lumière pour éclairer son territoire. Voilà.
le président de la République a donné son OK pour un tel achat et le ministre Vodayolo est allé jusqu'au bout, contrairement à un autre à qui on a confié la construction du complexe sportif d'Olébé à hauteur de centaines de milliards, mais qui à ce jour n'est jamais terminé. Alors, chers auditeurs, dites-moi, entre les deux là, vous choisirez lequel pour travailler? Vous choisirez qui? Forcément, celui qui va jusqu'au bout des projets ordonnés par le président de la République. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. L'édito politique. Ça, c'était notre frère Sismondi Balai Bichoka. Je vais lui donner un conseil à mon frère Sismondi Balai Bichoka. Mon frère, n'entre pas dedans. N'entre pas dedans. La seule chose que tu peux faire, c'est t'asseoir, prendre ta main et mettre à la joue. Observer et regarder. On dit en Bafia, il est où est-ce que on dit bobo. En français, expliquer que la savane brûle. Et moi, je passe par derrière ramasser les petits animaux qui ont été pris au piège du feu. C'est ça que je donne le conseil à tout le monde. Observez, prenez la main, vous mettez à la joue. Pour ceux qui peuvent s'acheter les pop-corn, acheter les pop-corn et manger. Je donne un conseil à mon frère Sismondi Balai Bichoka. Sismondi Balai Bichoka nous dit que le premier Camerounais à être au-dessus de la loi s'appelle Ferdinand Ngongo. Que même Aïdjo, dictateur, n'a pas atteint ce niveau. Mais Sismondi oublie un détail. Et c'est ce détail que moi je vais rappeler à Sismondi. La loi au Cameroun, puisque Sismondi, mon frère, veut qu'on respecte la loi. La loi au Cameroun dit, pour convoquer un ministre devant une juridiction, ce ministre doit avoir l'accord du président avant d'assigner un ministre de se rendre à une convocation d'un juge. Je répète, aucune institution au Cameroun ne peut assigner un mandat d'amener à un ministre au Cameroun sans l'aval du président de la République. Mon frère Sismondi, lorsque le ministre Esso, Laurent, a signé un mandat d'amener sur le juge d'instruction du tribunal spécial, le TCS, monsieur le ministre Laurent Esso, ministre d'État, avait-il l'aval du président Paul Biya? Mon frère, monsieur le ministre, paix à son âme, Bapes, fut convoqué en son temps. Quand je parle même de convoquer, c'est trop dit. Fut arrêté, jeté en prison de Kodengi. Paul Biya est informé à l'aéroport en partance en Suisse. Monsieur le Président, le ministre Bapes a été arrêté et cloué à la prison centrale de Kodengi.
Paul Barthélemy Biabi Vondo ordonna la libération du ministre Papès et de réintégrer son poste de ministre de l'éducation nationale. Mon frère, Sismondi Balev Bichoka, n'entre pas dedans. N'entre pas dedans, mon frère. Celui qui a signé le mandat d'amener contre le ministre Laurent, contre le ministre Ferdinand Ngongo, devait ajouter à la convocation du ministre Ngongo l'autorisation de Paul Barthélemy Biabi Vondo, qui donnait son accord. Les réseaux sociaux ont crié sur l'affaire Martinez-Zogo qu'on doit entendre le ministre Laurent Issou, qu'on doit entendre le ministre Moutassé. Est-ce que Paul Biya a signé un document? N'entre pas dedans. Lorsque les éléphants luttent dans la savane, les buffles ne souffrent pas. Les lions ne souffrent pas. La seule chose qui souffre, c'est les petits zèbres. Mon frère, en d'autres termes, les zèbres, c'est qui? C'est toi, mon frère Sismondi Balev Bichoka. N'entre pas dedans. N'entre pas dedans. Depuis qu'on a donc signé le mandat d'amener pour le secrétaire général Ferdinand Ngongo, il a refusé de partir. Pourquoi Paul Diagne n'a pas dit de... Pourquoi Paul Diagne n'a pas signé qu'il faut aller? N'entre pas dedans, mon frère. Regarde comme nous tous nous regardons. Avec les yeux. C'est Ngongo qui a géré le barrage. C'est Ngongo qui a géré le barrage de Mekin. C'est lui. C'est Ngongo qui a géré le barrage de Mengele. Et arrête qu'on a la radio là. C'est Ngongo qui a géré le port de Kribi. C'est Ngongo qui a géré le truc. Non, c'est Ngongo. Je veux rappeler à Sismondi Balev Bichoka. Puisque Ngongo n'a pas fini de construire les stades. L'affaire des stades que vous voyez là. Cette affaire. Ne perdez jamais de vue que ça a commencé en 2014. Si je me trompe. Après la CAN. 2014. Cette histoire. Ce que les gens disent, il est fait sur le terrain. Il y a un fossé. Je vous ai toujours dit ici que dire, c'est une chose. Faire, c'est une autre chose. Je donne à tout le monde ce conseil. Achetez les pop-corn pour ceux qui ont de l'argent. Mettez la main à la joue pour ceux qui n'en ont pas. Et regardez. Appliquez la politique anglaise. Wait and see. N'entrez pas dedans. N'entrez pas dedans. C'est depuis que je parle dans le direct ici. Je vous pose toujours cette question. Et comme je vais encore vous la poser aujourd'hui. Est-ce que depuis 25 ans que Aïdjo a fait au pouvoir, avez-vous entendu un complot émanant des élites du Nord contre
les élites du septentrion contre Aïdjo. Je veux que vous écoutiez le sens de ma question. Aïdjo a fait 25 ans au pouvoir. Avez-vous entendu dans vos rêves que l'élite du septentrion ourdit un complot contre Aïdjo? Si vous connaissez, dites-nous le complot. Nous sommes ici. Le complot contre Paul Biya, orchestré par les enfants de la forêt, comme Paul Biya. Vous connaissez le complot que les enfants de la forêt ont dit non, on ne veut plus de Paul Biya. La réunion s'est passée chez Damas. Vous connaissez le complot du G11. La réunion s'est passée chez Bakambo, ministre de quoi, conseil quoi, ministre quoi, femme et quoi, famille, hein, de la femme et de la famille, hein, c'est ça. Bakambo. La condition de Bakambo pour se réunir chez elle, c'était que si ça pète, vous me faites partie du Cameroun. Quand ça a pété, on l'a mis dans l'avion. Elle est ici au Canada avec moi. C'est la condition qu'elle avait posée. Que quand ça va péter, vous n'avez qu'à me mettre dans l'avion. Et gogo. Quand ça a fait boum, la première chose à faire, c'est prendre Bakambo, mettre dans l'avion. Canada. Elle s'est barrée. Vous avez eu 2018. C'est toujours les enfants de la forêt. Toujours. À l'heure actuelle, vous avez 2025. Ouais. Toujours les enfants de la forêt. Moi, je dis, lorsque tu connais analyser, mes chers amis, analysez toujours sur la base des faits historiques. C'est imbattable. Commencez votre analyse sur la base des faits historiques. Nous avons au nord-ouest et au sud-ouest des gens qui coupent les têtes. Ils assassinent. Toujours les enfants de la forêt sont en tête de proue. Je répète ce que je dis tous les jours. Tous ceux qui luttent pour le pouvoir de Paul Biya, traditionnellement, ne pourront jamais l'avoir. Parce qu'ils n'ont pas participé à la section de trône de Paul Biya. Celui qui a participé à la session de trône de Paul Biya s'appelle Amadou Babatoura Aïdjo. Traditionnellement, tu n'as pas assisté. Tu ne connais pas quelles sont les conditions que Amadou Babatoura Aïdjo a données à Paul Biya. Tu n'étais pas. Mais tu te mets à lutter pour dire qu'il faut que le pouvoir me revienne. Papa, le pouvoir là va tous vous esquiver. Vous serez surpris. Vous serez surpris que vous qui luttez là, ne croyez pas qu'ils luttent parce qu'ils aiment le Cameroun. Non. Ils le luttent parce qu'ils ont des intérêts et ce sont ces intérêts que je vais vous exposer aujourd'hui. Il y a un dossier
au ministère des Transports qui est en gestation de plus de lustre. Mais ce dossier ne peut pas sortir parce que Paul Barthélemy Diaby Vondo est là. Il y a deux ministères, donc je vais vous donner. Le deuxième ministère, c'est le ministère de la Santé. Il y a les dossiers là-bas. Il y a le ministère de la Santé, le ministère des Travaux Publics et le ministère de l'Enseignement Supérieur. Voilà. Ces trois ministères ont des dossiers concoctés par les directeurs avec l'aval du colon pour la finalisation de la privatisation de l'État du Cameroun. Et je vais vous expliquer. Et je veux que vous jouez grandement vos oreilles. Et Paul Biya est gênant dans le projet. Extrêmement gênant. Ça sera la phase finale. Vous n'aurez que vos deux yeux pour pleurer. Pour construire le port. Le doigt là. Le port de Douala qui était du poste zéro et se s'arrêtait à la capitainerie. La capitainerie, c'est le poste 11. Pour ceux qui ont fait le tour dans le port, je veux que vous ouvriez grandement vos oreilles. Le port de Douala, ça partait du poste 0. Poste 0, c'est le port de pêche. En descendant du poste 0, tu tombes au poste 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est la capitainerie. Le port finit là-bas. Aïdjo veut agrandir le port. Il négocie avec une entreprise française. Qui faisait dans la farine. La farine s'appelle coq rouge. Que coq rouge vient s'installer au Cameroun. Écoutez-moi. Alors, dans le protocole, les Français ont exigé qu'ils ne peuvent pas aller s'installer hors du port parce que le blé va venir par le port. Il faut que l'usine soit au port pour diminuer les charges. Ça part du bateau pour l'entreprise et pour écraser le moulin. C'est comme ça que Aïdjo accepte. Dans le plan, il fallait donc construire un quai. C'est comme ça que on décide donc d'allager le quai. Écoutez-moi. À l'époque, on embarque les... Le quai fruitier se trouve à Bonaberry. C'est là-bas où on embarque les bananes. De la CDC. De l'OCB. Tout ce qui était les industries agricoles du Mungo. C'est à Bonaberry qu'on embarquait. Comme ça, donc, Aïdjo décide donc d'agrandir le port. Aïdjo, à la première phase, construit le poste 12. Il construit le poste 13. Il construit le poste 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les Français commencent à crier. Wou, 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 wou. Comment tu
rien que pour la militerie, tu es déjà jusqu'au poste 20. Il dit que non, c'est pour prévoir, on ne sait jamais. Dans sa tête, il avait prévu que dès qu'il finit de construire les quais, on élargit le port. C'est comme ça que Aïdjo réussit à construire le quai que vous voyez là. Parce qu'avant, toutes les marchandises qui entrent au Cameroun, ça rentrait par. Ça sortait au conventionnel. Parce qu'il n'y avait pas de quai pour débarquer les conteneurs. C'est donc comme ça que on a construit ce port. On a construit ce port avec l'argent de qui? Des Camerounais. Des impôts des Camerounais. Du cacao, du café, du bois, du Cameroun. Lorsqu'on a mis ça en concession, ça veut dire qu'on a privatisé ce quai. On a tenu compte que c'est l'argent des Camerounais. Mais les privés sont venus prendre pour exploiter, se faire du jus. Ils n'ont rien investi. Rien investi. Quand le président Biya s'est rendu de la supercherie de cette affaire, il a donc commencé à s'organiser pour ramener ça dans les girons, dans le giron de l'État du Cameroun. On a donc mis un plan d'action. On a d'abord modifié les statuts de tous les ports autonomes. On a modifié les statuts. On a introduit dans ce statut la création des régies. On avait déjà prévu tout. Parce que quand on allait frapper Bolloré, on pensait où Bolloré allait sortir. Et quand Bolloré a sorti la lettre, où l'État du Cameroun, par un responsable camerounais dont j'étais le nom ici, parce que je veux voir mes enfants grandir, un responsable camerounais qui avait signé à Bolloré une lettre disant que avant que l'État du Cameroun ne fasse un appel d'offres international, l'État du Cameroun fait d'abord à Bolloré la proposition. Dans le cas où Bolloré accepte la nouvelle proposition d'État du Cameroun, l'appel d'offres international n'aura plus lieu. Donc Bolloré renouvelle juste son contrat et continue avec les nouvelles conditions que Bolloré aurait arrangées avec l'État du Cameroun. Sauf que cette lettre, il n'y a que Bolloré qui a ça. Il n'y a pas une copie au PAD. C'est cette lettre à la dernière minute, lorsqu'on a opéré la concession du terminal à conteneur. Au port, mais il y avait une copie à la présidence, dans les archives à la présidence. C'est ça qui a permis à l'État du Cameroun de mettre sur pied dans cette stratégie. Que quand Bolloré allait sortir la lettre disant que personne d'autre ne peut prendre le port autonome tant que lui ne donne pas son accord, l'État du Cameroun a juste enclenché la création de la régie du terminal à conteneur. C'est un Camerounais qui a signé le document. Que Bolloré ne peut pas partir du port tant que Bolloré est d'accord de continuer à prester comme adjudicataire du contrat, on ne peut plus faire d'appel d'offres. Dès que Bolloré a sorti la lettre, c'est pour ça que le juge du tribunal de Douala, a annulé la transaction. C'est pour ça que le juge, parce que le juge s'est fondé sur le document. C'est un document légal. Les gens qui criaient sur le juge, mais non, le juge n'a qu'à appliquer ce que le document dit. C'est un document signé de l'État du Cameroun, mais signé par un Camerounais. C'est donc comme ça que le président Biya active, donc, via le conseil d'administration, la création des régies. Il a fait. Est entré en contentieux, et comme vous connaissez, ça aboutit encore à ce que l'État du Cameroun a gagné. Par coup de chance, comme Dieu fait souvent ces choses,
Parce que, à la première sentence, on a condamné le port de doigt là. Mais à la deuxième sentence, comme Dieu fait ces choses, quelqu'un est mort. Quand la personne décède, c'est là où on se rend compte qu'il y avait connivence entre les magistrats, les juges, entre les arbitres qui se connaissaient. Oh, les textes sont clairs. Ce n'est pas une histoire d'années 60, ma soeur Angélique Amougou. Ce ne sont pas les histoires d'années 60. Je te parle des histoires de hier, hier. Bolloré, c'est quand? Bolloré, c'est hier, hier. Ce ne sont pas les histoires de l'année 60. À l'heure actuelle, donc, ce qu'on vous prépare donc au ministère, dans les trois ministères que j'ai cités, vous devez m'écouter. Ça va arriver. Dans ce ministère, il y a un dossier que si M. Biya n'est pas là, le nouveau président qui va venir, il doit mettre ça, il va valider ça en 20 ans. La création de 10 sociétés d'État. Je veux que vous écoutiez bien. La création de 10 entreprises au ministère de la Santé, au ministère des Travaux Publics, au ministère de l'Enseignement Supérieur. 10 entreprises. Société des axes lourds de la région de la Damawa. Société des axes lourds de la région de l'extrême nord. Société des axes lourds de la région du centre. Société des axes lourds de la région de l'est. Société des axes lourds de la région du nord-ouest. Société des axes lourds de la région du sud-ouest. Société des axes lourds de la région du sud. Société des axes lourds de la région du littoral. Société des axes lourds de la région de l'ouest. Voilà les 10 entreprises qu'on va créer. Et à la tête de chaque entreprise, on va mettre un directeur général qui vont tout faire pour conduire à la ruine des entreprises. Et lorsqu'on va, les entreprises vont fonctionner mal. On va dire au nouveau président qu'il faut privatiser ces entreprises. On va donc privatiser tous les axes lourds du Cameroun par les sociétés que je viens de vous citer là. Ça s'est fait en France. On a démantelé la France à partir de là. Les gens voient le démantèlement de la France aujourd'hui. Nous, on savait que la France est démantelée. Depuis, on y est. On attend seulement à l'heure où le peuple français va se réveiller. Trop tard. Le palais de justice construit à Paris, à Bobigny, c'est un bâtiment qui appartient au groupe Bouygues. L'État français est privatisé. Même dans son, même dans ses institutions qui rendent justice. C'est ça qu'on amène au Cameroun. Société hospitalière des hôpitaux de référence de la région du centre. Société hospitalière des hôpitaux de référence de la région du sud. Littoral, Adamawa, extrême nord, nord,
ouest, sud-ouest, nord-ouest. Tous les hôpitaux que Paul Biya a conçus avec l'argent du Cameroun, on va privatiser. Je veux que vous écoutez bien ce que vous êtes en train de vous dire là. N'est-ce pas que vous n'étiez pas au courant? Après, va suivre les universités d'État que Paul Biya crée dans toutes les régions. Université d'État de la région 2, privatisée. Extrême Nord, privatisé. Sud, privatisé. Je suis en train de vous dire le démantèlement de l'État. Tout ce que vous voyez, on vous fait là. Ces dossiers sont déjà traités, prêts. On attend que Paul Biya saute. C'est partage le Cameroun en petits morceaux. Ne croyez pas que c'est le premier partage. Non. Ça sera le troisième partage. Parce que le premier partage s'est effectué. Le deuxième partage s'est effectué. Actuellement, ça sera le troisième. Oui. Lorsque on a partagé devant vous, vous avez dit quoi? Oui, vous étiez au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. On a partagé. Les mêmes gens, lorsqu'ils ont fait le premier partage, ils ont changé. Écoutez-moi, mes frères. Écoutez-moi. Les gens aiment venir vous tromper. Lorsqu'ils ont effectué le premier partage, ils sont allés créer au sein de l'administration camerounaise ce qu'ils ont appelé l'administration centrale, avec un statut particulier. Il y a des fonctionnaires qui ne sortent pas de Yaoundé. Ne sont pas de Yaoundé. Le deuxième partage, comme vous le voyez là, lorsque le mur de Berlin est tombé, écoutez-moi bien. Lorsque le mur de Berlin est tombé, on a mis sur pied le plan de partage des richesses entre les groupes. À la seule différence que les multinationales ont des représentants à l'intérieur de l'administration, pour que vous compreniez facilement. Celui qu'on appelle l'ex-gestion des impôts s'appelle comment? S'il vous plaît, l'ex-gestion des impôts s'appelle comment? Il avait un nom là, son nom m'échappe. C'est Moufaï, Fatouen, quelque chose comme ça là. C'est Moupa, Fatouen, un nom comme ça là. Il vous dit, parce que celui-là c'est récent, c'est hier. Donc je vous prends l'exemple, je parle que pour lui c'est hier. Il vous dit, j'ai trouvé un poste au Fonds Monétaire International. La question que vous devez vous poser, il venait d'où pour occuper le poste? Il venait d'où?
La question que vous devez vous poser, c'est qu'il venait d'où pour être nommé à la direction des impôts. Il venait d'où? Il venait de la multinationale financière qu'on appelle le Fonds monétaire international. Il venait de la multinationale financière qu'on appelle le FMI. C'est de là où il venait pour être nommé directeur des impôts au Cameroun. Donc, quand il n'est pas au FMI, il n'est pas où? Il n'est pas là où il était. Il est venu avec des instructions. C'est ça qu'il est venu implémenter. C'est pour ça que l'idée pour lui de la fiscalité, c'est pour lui, la fiscalité ne s'occupe pas de la création des entreprises, des emplois, il s'en fout. Pour lui, c'est la collecte. Je veux que vous payez, vous devez payer. Il s'en fout que les emplois vont disparaître ou pas, non, c'est pas son problème. Ça là, c'est récent, c'est hier, hier. Donc tout le monde peut se rappeler. Parce que si je remonte dans l'histoire, vous allez mettre les mains à la tête. Dans toute l'administration camerounaise, vous avez des représentants des multinationales. Vous avez des directeurs qui travaillent dans des multinationales à l'étranger, qui sont rentrés au Cameroun. On les a donné des hautes fonctions dans l'administration camerounaise. Ils sont là juste pour défendre les intérêts de ces multinationales. C'est pour ça que le démantèlement de l'État du Cameroun a un frein parce que Paul Bartholomew Diani Vondoé là. Ici, quitte. Vous allez voir vos propres yeux, ce que je vous dis là. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Il se passe quoi? Il se passe que dans ce calcul géoéconomique, on n'avait pas prévu un rebelle. On n'a pas prévu de rebelle. Mais un rebelle est né. Un rebelle en avait marre du double discours. Mais Dominique Boulay, c'est pour ça que ça a été dit, du moment où on apprécie Mopa, parce que Mopa, son problème, c'est de taxer les plus pauvres. Il a taxé quelle multinationale? Quelle multinationale on a taxé? Il y a donc dans le système, comme je vous disais tantôt, il y a un rebelle qui est né dans le système. Le rebelle est né dans le système qui avait dit, le rebelle a dit, ils m'ont déjà fait ce coup. Si j'accepte ce coup, ce sera que je vais me faire tromper deux fois de la même manière. Le rebelle s'appelle Vladimirovitch Poutine. Qui dit, lorsque j'étais premier ministre, ils m'ont dit que nous allons créer une zone d'exclusion aérienne pour empêcher les soldats de Mouammar Kadhafi d'aller à Benghazi. Celui qui était président à mon époque les a cru comme moi je les ai cru. Au final, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait autre chose. Donc, ils ont un discours officiel et un discours officieux. Donc, à chaque fois que nous parlons avec eux, ce qu'ils nous disent, ce n'est pas le discours, ce n'est pas ce qu'ils vont aller faire. Donc, comme ils sont versatiles,
Moi, je dois donc être donc le premier à frapper toujours. Il a pris son avion. Il allait en Chine. Il a d'abord créé l'organisation de coopération de Shanghai. Ce qu'ils ont appelé, les personnes qui sont appelées là, c'est quoi le marché économique des pays de l'Asie de l'Est là. C'est Tadjikistan, c'est l'Azerbaïdjan, c'est là où on appelle la capitale, c'est Astana. C'est quoi encore le pays là, c'est quoi? C'est l'Ouzbékistan, quelque chose comme ça, Astana, quelque chose comme ça. Il est parti créer l'organisation de coopération de Shanghai, quelque chose comme ça. Là, ils ont, ça a un nom là. Les pays de l'Asie du Sud-Est là. De l'extrême-orient, russe. Il est allé là-bas. Au Kazakhstan, merci Georges. Il a créé cette organisation économique. Il est allé en Chine. Il a dit aux Chinois, à partir d'aujourd'hui, je viens signer un deal avec toi. En ce qui va concerner tout ce qui est à l'international. Si je prends une décision qui est à mon avantage, tu dois me suivre. Si toi tu prends une décision qui est à ton avantage, je dois te suivre. Ils ont signé le papier avec la Chine. Il est rentré s'asseoir. Il dit maintenant, j'attends quand ils vont passer à la phase 2. La phase 2, c'est quoi? La phase 2, c'est 2014. Le coup d'État de Maïdan, en renversant un président démocratiquement élu, par la soi-disant révolution de couleur, la couleur orange, révolution orange, coup d'État, que les pays européens ont applaudi. L'ours russe a dit, j'attends voir. Quand ils ont fait le coup d'État comme ça à Maïdan, il a du coup foncé en Géorgie. Il a frappé la Géorgie. Il a divisé deux régions de la Géorgie, l'Ossétie et l'Abkhazie. Il a coupé, on prend un coup pour que vous compreniez, il a coupé une région comme Douala, il a coupé une région comme la région de l'Est, la Géorgie. Les Européens ont compris que, le monsieur si. Parce que, le président qui était en Géorgie pensait que l'OTAN allait venir. Les Américains, comme d'habitude, ils ne peuvent pas envoyer un soldat aller mourir en Russie. Ils vont préférer que les Russes luttent entre eux. Du coup, on a donc jeté le dévolu sur le peuple ukrainien. Lorsqu'on a arrêté le président géorgien, on l'a mis en prison. Ils ont jeté leur dévolu sur la Russie, sur l'Ukraine. L'Ukraine est en train de mourir le martyr. On va tous les massacrer. Vous voyez, on fait la guerre, on fait le reportage de la guerre à la télévision. On vous dit que la CPI a émis des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine. Bon, quand les gens viennent lire ça à la télévision, ils n'ont pas émis de mandat contre George Bush, contre Tony Blair, contre Obama. Vous pensez que c'est sérieux? Quand tu rentres donc au Cameroun, vous vous rendez bien compte que au Cameroun, ça sera grave après que Paul Biya soit parti. Ça sera tellement grave. Parce que le discours officiel a accouché le réveil des autres peuples qui ne comprenaient pas le game. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, tu t'en fous. Mais lorsque tu commences à comprendre la supercherie, l'escroquerie de l'État unitaire, tu commences à te révéler.
C'est ça qui va être catastrophique. Parce que les autres sont en train de se réveiller. Exemple. Amougou Belinga a des problèmes. Il est en prison. Vous avez bien vu la campagne qu'on a jetée dans les réseaux sociaux. Allez retirer votre argent à Vision Finance. Allez récupérer votre argent. Ça va fermer. Ça va fermer. Allez récupérer votre argent. Mais est-ce que vous savez que le fondateur de Afrique First Bank n'est pas au Cameroun? Peut-être même qu'il ne reviendra plus tant que Paul Biya est là. Mais est-ce que quelqu'un est venu faire un direct pour dire que allez prendre votre argent à Afrique First Bank? Mais est-ce que quelqu'un vous a dit que Afrique First Bank est la seule banque au Cameroun qui a 6000 titres fonciers séquestrés dans ses coffres forts? 6000 titres fonciers que les gens sont venus déposer et prendre l'argent à Afrique First Bank. 6000 titres fonciers. Lorsqu'on récupère les, on commence à vérifier les 6000 titres fonciers qui dorment dans le coffre de la Freelance First Bank. On se rend compte que 99,9% de ces titres fonciers, tous domaines privés de l'État. Tout droit là. Tout Bonanjo. Tout dans les grandes villes. Et les grandes villes futures. Toutes les zones que l'État a des projets, comme à Kribi, la nouvelle ville qu'on veut créer à Kribi, toute la zone que l'État a pris à Kribi pour construire les bâtiments, tout ça, les titres fonciers qu'on a créés là-bas sont dormants à chez Afrique, en France, dans ces coffres. Qu'on a hypothéqué les titres. Est-ce que vous voyez comment les gens ont démantelé la République parce qu'ils sont, ils sont des positions? Personne ne parle. Comme vous voyez là, ça chauffe à Afrique Bank. Allez retirer votre argent. C'est bouche cousue. À peine Amougou Belinga est encore en détention provisoire. Au CED, on commence à dire, allez retirer votre argent. C'est pour ça que je dis, ça sera catastrophique au Cameroun. Parce que les autres qui en 1990 n'étaient pas au courant de la réalité économique sont en train de comprendre la réalité économique. Les enjeux souterrains dont on ne parle jamais, que nous, je suis fier d'en faire partie de ces groupes des enfants de la zone forestière qui avons commencé à taper le tocsin que le problème n'est pas politique, le problème est le contrôle du pouvoir économique. Subitement, les gens ont commencé à se réveiller. Est-ce que vous connaissez que 99,9% des établissements privés construits à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Boya découlent des fonds de l'État du Cameroun? Ligne 57, 65, 94. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez entendu un seul jour? Je vous rappelle en passant, c'est à cause de cet argent que Mme Fonin a été assassinée. Parce que lorsque le président Biya donne le OK pour le financement de la construction des écoles des fondateurs dans ce monde privé, à hauteur de 50 milliards logés dans une banque au Cameroun, Madame Fonin n'est pas au courant. Elle vient apprendre après. Elle part voir le banquier. Je n'étais pas au courant.
comment ça peut se passer que je n'ai rien. Vous avez et des gens du gouvernement qui géraient l'affaire. Elle leur donnait un ultimatum. J'attends ma part. Si vous ne virez pas ma part, dans les brefs délais, vous allez m'entendre. Et comme c'est une femme, que quand elle appelait Paul Bartendi Biabi Mondoke, papa, je veux te voir, j'ai quelque chose à te dire. Paul Biabi organise très rapidement un rendez-vous. Et comme on connaissait ça, on a décaissé à Madame Fonin une partie d'argent. Vous connaissez bien comment ça fonctionne. Mes beaux frères de l'Ouest sont les gens intelligents. Madame Fonin, comme d'habitude, on a pris des gens, elle a pris des gens à côté, on a financé les établissements à Douala. Vous avez le collège Dauphine à Cité des Palmiers. Vous avez le collège Royal à Douala. Vous avez le La Roche à Douala. On a pris des gens, on a mis devant. Mais c'est Madame Fonin qui les a aidés à obtenir des financements. Lorsqu'elle est revenue pour la deuxième fois, donc ce n'est pas suffisant, mais tel a eu tel montant. Et les commentaires disent, tel a eu tel montant. C'est ça que vous avez vu à Douala. Tous les terrains qu'on avait prévus pour les espaces sportifs, à Bounamous a dit, et ma Kepé ont disparu du jour au lendemain. C'est l'argent-là qui a construit les écoles que vous voyez là. Lorsque Mme Fournier est revenue pour la deuxième fois, que tel a eu tel montant, et moi, mon Dieu, tel montant. Les gars ont compris que l'affaire, si ça va caler un autre coup. Ils ont sauté sur la première occasion qu'ils ont eue à Yaoundé, accident de Madame Fonin. Ils ont témé avec elle. Mais, à l'heure où je vous parle, ne pourra être naïf que quelqu'un qui n'a pas suivi ce que nous disons depuis 2018. Tu es naïf. À chaque fois que tu veux faire quelque chose au Cameroun, je le dis tous les jours, la question fondamentale, c'est qui contrôle le secteur, parce que nous sommes un comptoir colonial. La seule chose que les gens de la forêt avaient entre leurs mains, c'était la culture du cacao. C'est ça qu'on a réussi à démanteler entre les mains des enfants de la forêt. On a démantelé, on a remplacé l'ONCPB par Caisse Photo, la nièce de Bafadi Moussonga. C'est elle qui a récupéré le travail de l'ONCPB. Mais à ce moment-là, ça sert les intérêts privés. On a découragé tous les planteurs du centre, du sud, de l'est, du littoral. On a acheté le cacao, le kilo, 100 francs, 150, 200, 300, 400. Quand ça monte tout, tu entends 500. Les gens ont abandonné la culture dans ces quatre régions. La seule arme qui leur permettait de contrôler une partie des devises, puisque leur élite a passé le temps à jouir l'élite de cette zone est une élite qui aime faire du bruit. Faut se dire la vérité. Hein? L'élite de la zone forestière a une particularité. Le bruit pour rien. C'est faire voir. Pour rien. Regardez dans la diaspora. Les gens qui font trop du bruit, quand ils ont l'argent, tous deviennent des présidents. Tous. Les enfants de la zone forestière.
Donc on organise une fête, une soirée camerounaise, ces amants de la zone forestière qui sont assis sur les tables, les chaises royales. Donc ils sont assis là, présidentelle, présidentelle, présidentelle. Quand je les regarde, et pourtant, au même moment, vous avez les puissants gars américains qui sont là, incognito. Les gars qui se font du beurre, ils ont des millions, des millions. Ils sont millionnaires en euros. Ils sont tranquilles. Mais ils sont avec vous dans la salle. Ils ne font pas de bruit. C'est pour ça que lorsque Cabral Libi est sorti par derrière en disant « Moi, je propose le fédéralisme communautaire. » Vous avez vu comment on a tiré sur ce gars. Les gens n'ont même pas lu le livre. Les gens ont condamné le livre juste pour le titre. Juste le titre. Mais c'est parce que les gens ne... Moi, je vous prends l'exemple de chez moi. Je parle toujours ici. Je suis en direct. Ce que je dis ici, vous allez au Cameroun, vous vérifiez. Lorsque vous attaquez les populations du Noun avec des crimes, les Bamouns s'organisent à savoir qui massacre. Les Bamouns n'attendent pas l'État. Les Bamouns se réunissent pour savoir qui vient tuer les gens dans ce département. Dans tous les coins dans le monde, on cherche à savoir qui est étranger, qui vient massacrer. Ils vont te trouver. Quand tu quittes de chez les Bamouns, tu arrives chez les gens de Batché, tu arrives à Batché, on commence à avoir des crimes partout. Le chef Batché va se réunir avec toute sa cour. C'est ça, savoir qui est-ce. On va te trouver. On va te neutraliser. Quand tu montes à Bafan, dans toutes les chevaliers, tu vas à Bamandou, chez Sokoudou. Il y a un crime. Ils n'attendent pas l'État. Ils vont trouver qui a tué. Viens chez moi à Bafia. On tue le jour. On tue la nuit. On tue les vieilles mamans dans les plantations qui vont travailler au champ. Les vieilles mamans qui ont atteint la ménopause depuis. Ils n'ont même plus moyen. Ils ne s'intéressent même plus aux hommes. Ce sont ces vieilles mamans que les jeunes du Mban ont trouvé pour aller violer dans les plantations. Alors, je vous parle. L'insécurité qu'il y a à Bafia, c'est grave. Mais les gens se sont assis, ils attendent l'État. Je vous rappelle, dans la gendarmerie, je ne peux pas. Il y a ce qu'on appelle une compagnie, il y a le commandant. À la gendarmerie, là, il n'y a pas plus de 20 gendarmes là-bas. À la compagnie, c'est environ 14 personnes. Ou bien 14 personnes vont assurer la sécurité d'un département aussi vaste comme ça. Jamais! Jamais! Mais les gens se sont assis. Ils ont abandonné leur organisation sociétale féodale. Que c'est l'État qui doit venir faire la sécurité. Ce que je vous dis là, ça n'arrivera jamais à l'Ouest Cameroun. Jamais. Sauf si vous vous organisez en bande de terroristes pour venir nuire les gens à l'Ouest. Même comme ça, ils vont se défendre. Et ils connaissent généralement qui a fait quoi. Ils connaissent. Parce que c'est une société organisée sur la base féodale. Ce que je vous dis, c'est pareil dans la Lekki. C'est pareil à ça. C'est pareil partout dans cette zone. Les gens refusent d'assurer la sécurité eux-mêmes, ils attendent l'État. L'État ne viendra pas. L'État ne viendra pas. C'est parce que l'élite de cette zone, ayant compris le mécanisme de celui qui a mis l'État, ils ont préféré adopter
accepter la position de celui qui a mis l'État. Je vous jure, lorsque un Camerounais a un problème et que ce Camerounais sait, connaît le Cameroun et qu'il veut se cacher, si tu es Boulou, du Sud, que tu as un problème et que tu veux te cacher, tu vas chez les Boulous, ils vont te trahir. Si tu es Bafia, tu pars chez les Bafia, ils vont te trahir. Tu es Étonne, tu pars te cacher chez les Étonnes, ils vont te trahir. Tu es Manguissa, tu pars te cacher chez les Manguissa, ils vont te trahir. Tu es Mvele, tu pars te cacher chez les Mvele, ils vont te trahir. Parce que eux, pour eux, il n'y a rien qui peut dépasser l'État. Mais dès que tu as un problème avec l'État et que tu n'es pas Bamileke, tu vas te cacher à l'ouest Cameroun. Ils te protègent le faux fort parce que leur ennemi, c'est l'État. Tous les Bamileke, tous les non-Bamileke UP6 qui ont résisté à fuir le Cameroun, ils sont d'abord cachés à l'ouest Cameroun pendant près de 6 à 8 mois. Les gens ont parlé. Il faut lire le professeur Moukoko Priso, celui qui est décédé là récemment, Moukoko Priso. Il faut lire la Henriette Ekoué. C'est de ça qu'il est question. Mais les gens pensent quand nous on parle, ils pensent peut-être que ce que nous on raconte c'est... Ah. Autant dire la vérité. Dis la vérité. Sauf que d'autres personnes continuent de penser que non. C'est parce que nous sommes des aigris. Alors qu'on parle que la vérité. Il y a quelque chose qu'on a institué dans ce pays. Que celui qui retient encore ça s'appelle Paul Bartholomew Diamé Vodou. Attendez quand il va partir, vous allez voir de vos propres yeux. Tout ce que je vous ai cité là. Vont être privatisés. Rien ne va rester. Ils vont juste te contenter de dire que je suis actionnaire dans telle entreprise. Allez voir les actionnaires de Vinci en France. Lorsque vous voyez, on parle de Bruno Le Maire, vous savez qui était le chef du cabinet de M. Dominique de Villepin en France? Son chef de cabinet? Il a un nom. Bruno Le Maire. Donc quand Dominique de Villepin parle, tu ne connais pas l'histoire. Tu vas penser qu'il est mieux. Alors que celui qui a aux affaires aujourd'hui au ministère de l'économie, monsieur le maire, ne protège que les intérêts des Villepins, avec les Sarkozy. Tous ces hommes politiques français sont actionnaires dans ces entreprises privées en France. C'est pour ça qu'on a tout fait pour remplacer les hommes politiques français. Ils ont tous été remplacés. Tous. On les a remplacés à partir des mariages. On a utilisé la philosophie des mariages pour les remplacer tous. Quand tu prends, ma mère est française, mon père est. Ma mère est française, mon père est. Ma mère est française, mon père est. Ma mère est française. Tous ont été remplacés. Et ils vivent que sur le dos de la France. Mais oui, non. Le chef Balon, chez nous, là-bas, à Bafia, là-bas, parce qu'il a été trahi par qui? Il a été trahi par ses propres frères. S'il partait à l'ouest se cacher, les Bamileke allaient savoir qu'il a un problème avec l'État. On allait le protéger le faux sort. Il faut connaître ça. Il faut savoir ça. Parce que le pouvoir féodal étant là-bas fort, il n'y a pas un Bamileke qui peut aller contre le pouvoir féodal de son village. Jamais. Parce qu'il sait que ça va le sauver
Le jour où l'État ne sera plus là, ils vont rester, ils vont toujours avoir une organisation sociétale. C'est ça qui est la question. Personne ne peut aller. Ils peuvent être contre certaines pratiques, ils peuvent appeler à la modernisation, mais la colonne vêtement reste avec le respect de l'autorité. Mon ami, lorsque moi je parle souvent, c'est là que nous ne pouvons pas faire des choses sur la base des lois. Gars, la loi traditionnelle a une seule solution. Tu trahis un maître sur la terre, on n'en parle plus. C'est pour ça que vous voyez toute l'élite de cette zone forestière déteste les traditions. Parce que les traditions, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas de double langage dans les traditions chez nous. Le langage de la vérité. Tu étais avec moi à la réunion, on a mangé mon fils. Le jour où je viens à ta réunion, tu me donnes ton fils. Pas question que tu manges chez moi, tu ne manges pas chez... Je ne mange pas chez toi, ça ne marche pas. Tu as mangé chez moi, je dois manger chez toi. C'est comme ça. Ainsi de suite. Mais les gens vont venir nous raconter des bêtises. Ils vont tellement privatiser cet État. Observez, ils ne partent plus en retraite. Ils détestent la retraite. Lorsqu'un fonctionnaire de la zone forestière est appelé à faire valoir ses droits à la retraite, c'est le deuil. Lorsqu'un Bamileke prend, on lui donne sa lettre de faire valoir ses droits à la retraite, il s'est déjà reconverti dans ses affaires ou bien dans le commerce qu'il a commencé à développer en étant fonctionnaire. Dès qu'il part en retraite, il est content. Dès qu'on donne à une élite de la zone forestière la lettre disant que appelé à faire valoir ses droits à la retraite, il entendait. C'est le deuil national. Le deuil. Il maigrit comme ça. Voilà. Moi, je continue de dire que vous allez être protégé parce que vous avez compris le système. Là, vous allez être protégé. Mais si vous continuez de faire fi du système, et vous pensez que le système a été mis pour vous faciliter la tâche, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le système est un système d'exploitation. Nous sommes en train d'aller vers le tout numérique. Le tout numérique, c'est la prison à ciel ouvert où tu peux voir les nuages. Tu peux voir les étoiles. Tout numérique, c'est le contrôle total. Le tout numérique. Tant que je donne à tout le monde le conseil, ne faites pas confiance aux banques. Quand le mois finit, retire ton argent. Quand le mois finit, retire ton argent. Dès que le mois finit, retire ton argent. C'est ton argent. Achète avec ton argent. Je ne dis pas acheter. Ne dis pas que oh, j'ai mes cartes de crédit là, je vais utiliser. Je vais bâtir ma cote de crédit. Mon ami, je mange mon argent puis j'ai travaillé. Point barre. Je n'ai pas, je n'achète pas. Point barre. C'est un système de captation et de maintenir les gens dans le système. Vous ne devez pas sortir.
Les gens sont en train. Le calcul a été fait depuis. Il y a 7 milliards de population. Donc, si on contrôle les naissances via des molécules, de la technologie, avec des nanoparticules, tout ça là, mais ça, on sera riche. C'est pour ça qu'on a développé. C'est pour ça que Paul Biya, dans sa vision, a envoyé le professeur Kassia étudier dans le domaine. C'est pour ça qu'il a mis le centre de reproduction humaine au Cameroun. Que le Camerounais doit avoir accès à ça. C'est pour ça que Paul Biya a mis ça. Parce que s'il fallait que tout le Camerounais sorte, il fallait prendre l'enfant. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. L'Espagne a légalisé. Vous connaissez tous. J'ai seulement pitié des gens qu'on a bornés. Des gens qui refusent d'avoir l'esprit ouvert. Parce que même les religions vont être changées. Je vous avais dit qu'ils sont en train d'écrire le nouveau du Nouveau Testament, non? Ils sont en train d'écrire. Ils sont en train d'écrire le nouveau du Nouveau Testament. C'est dans ce livre qu'on va revoir toutes les condamnations de ce que vous connaissez là, dans les autres textes. Ça sera compliqué avec les Africains. C'est de ça. Moi, quand j'ai compris l'affaire, tu ne peux plus voir une de mes photos sur Facebook. Ça sort, est-ce que ça sort comment? Ça va que rester que mon profil. Basta. Basta. Parce que moi, j'ai compris l'affaire. Moi, j'ai compris l'affaire. Parce que dès que tu vas mourir, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à exploiter tes photos. Quand tu ne seras plus en vie. On va les exploiter pour les générations futures. Parce que vous et moi, là, on ne sera plus là en l'an 2400. Vous qui êtes ici avec moi, on ne sera plus là. C'est à ce moment-là que la nouvelle génération commence à exploiter vos photos. Parce qu'ils sont dans un système de continuité. C'est comme ce qu'on appelle aux États-Unis les sept sœurs. Lorsqu'on a décidé de démanteler l'entreprise de Rockefeller, la Standard Oil. La Standard Oil qui a explosé en cette entreprise qu'on a appelée les sept sœurs. Dès que tu veux contourner le gasoil et l'essence, ils t'exécutent par la mafia. C'est ça qui a fait exécuter le créateur du moteur diesel. Qu'on appelait Rudolf Diesel. À la base, son moteur était fait pour fonctionner avec l'huile végétale. Les financiers en Allemagne ont refusé de lui donner de l'argent. Il a pris le bateau. Il part chercher les financiers aux États-Unis, d'Amérique. Dans le bateau, dans sa cabine. Il a eu la visite de deux personnes. Qui lui ont proposé, nous voulons te faire une proposition. Nous voulons que tu arrives aux États-Unis, tu dis que ton moteur fonctionne avec le gasoil et le pétrole. Il a dit, mais non. Moi, mon invention, c'est fait pour marcher avec l'huile végétale. Pourquoi vous voulez que... Parce que vous voulez que mon invention serve vos intérêts.
son cadavre qui est arrivé aux États-Unis d'Amérique. Les deux visiteurs se sont volatilisés. C'est comme ça que ça a fonctionné, que ça fonctionne. C'est pour ça que moi, quand j'ai regardé tout au Cameroun, je ne peux pas aller faire quelque chose dont je sais que je serai obligé d'empiéter dans le domaine de quelqu'un. Je dois faire quelque chose dont je sais que quelqu'un devrait venir négocier avec moi. C'est différent de faire quelque chose et tu vas aller empiéter dans le domaine de quelqu'un d'autre. Et de faire quelque chose qui va faire en sorte que tu vas appeler des gens à venir négocier avec toi. Quand tu sais bien ça, tu t'en sors au Cameroun. Tu connais le domaine où tu as appelé que les gens viennent négocier avec toi. Et tu connais bien le domaine où tu es censé aller empiéter dans le domaine des autres. Et quand tu empiètes dans son domaine, tu es à découvert. Lorsque celui qui empiète dans son domaine, il sait qu'il a à découvert, il vient négocier avec toi. C'est comme ça que ça marche. Et là, tu protèges tes intérêts via un deal. Mais pour le moment, on n'en a pas. Je suis désolé, je le dis. Moi, j'ai vu une dame. Je vais montrer ça demain. Dans un reportage. Montrer ça demain. Une dame qui a financé une usine qu'elle a vue dans un forum WhatsApp. La transformation des ordures en charbon. Elle a allé installer l'usine dans l'arrondissement de Nitoku. Demain, on va en parler, vous allez voir. C'est comme ça que les maires doivent travailler. Pour que la criminalité diminue dans les arrondissements, il faut que les maires doivent imaginer. C'est les maires qui doivent imaginer pour occuper les jeunes qui ne doivent pas se retrouver dans du braquage. Les maires doivent être inventifs. Parce que la mairie ne peut pas employer tout le monde. Mais toi, le maire, tu peux. Mais les maires ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas fait la géo-ethnie du Cameroun. Ils sont mouillés dans le RDPC. Ils ne comprennent que dalle. Ils regardent juste leur intérêt du RDPC, c'est tout. Mais ils ne comprennent pas derrière la vitre, c'est quoi le vrai projet. Ils ne comprennent pas. Moi, quand je mets mes pieds au Cameroun, là, que je rentre comme ça, là, je vais être maire. Je le dis tous les jours. Parce que je sais, je connais bien d'avance que la commune de Bafia, c'est deux cantons. Et dans les deux cantons, je suis bien connu. J'ai la famille dans le canton A, j'ai la famille dans le canton B. Mon père, il est connu. Et je connais comment fonctionne l'élite Bafia de Yaoundé. Quand j'arrive, je frappe sur la fourmière, bang! Parce que je connais où il dort. Ma campagne, c'est simple. Le vol est fini. Mais quand je dis à Bafia que tata maman a yi, wo. Il va te dire, maintenant qu'on est là, hein? Mon fils, tu dis que quoi? Papa, on te vole depuis des siècles. Tu lui expliques le vol. Tu lui dis que tes enfants qui sont là, ils connaissent le vol là. Ils ne peuvent pas te dire. Parce que si toi tu connais le vol là, ils n'auront plus rien à Yaoundé. Tu dis que, ah, wow, les chéchés, il s'exclame en Bafia. Oh, j'ai compris maintenant. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'il y a campagne électorale, il court, il vient de sa Bafia. Tu as compris, papa. Je l'explique le mécanisme du vol. Je décortique ça. Je parle qu'en Bafia, c'est pas que je parle en français. C'est en Bafia que je parle. Je décortique le mécanisme du vol. Je l'explique. Voilà. Mais, man, mon fils, on ne connaissait pas ça.
C'est fini. Moi, je vais les travailler au corps. Ils vont me confirmer. Je dis, je vais travailler sur leur corps. Ils vont me dire, merde, le gars, si. Mais ils ne peuvent rien me faire. Je suis le petit-fils de Mouté. Qui se renseigne. Ils connaissent, non? Je vais les travailler au corps. Moi, c'est ça que je vais faire. Quand tu expliques le vol, c'est terminé. C'est fini. On a mis un système qui maintient les plus vulnérables dans la pauvreté pour qu'eux continuent à produire, pour que les élites mangent. Et ils viennent pendant les campagnes électorales avec les grosses voitures. Pour dire qu'ils sont bien à Yaoundé. Alors qu'ils vivent de votre sang. Je connais comment? Je connais Bafia. Clair et net. Je connais. Comme on est presque les familles là. Tu vas voir d'autres viennent négocier avec moi. Moi je connais comment ils fonctionnent, l'élite de Yaoundé là. Ils sont tous frères à venir négocier. Oh, petit frère, vraiment de Dieu. Tiens, oh, petit frère, qu'est-ce que tu veux nous faire comme ça? C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils sentent déjà que c'est chaud, ils te proposent même les choses vraiment de Dieu. Tu veux quoi? C'est comme ça qu'ils sont. Ils ont toujours fait comme ça. Oh gars, t'as un gars connaît le système. Ils font tout pour te compter pour te dire que bon, on t'a fait tout contre nous, on te nomme où. C'est leur habitude. C'est comme ça qu'ils font. Ils maintiennent les gens dans le noir. Et dès que je vais expliquer le vol, je fais le tour. Je connais les villages. Dis-moi que je connais les villages des deux cantons. L'arrondissement, c'est deux cantons. Je connais tous les petits villages. Je te dis que je connais le poison, et papa. Je connais le poison. Je connais comment on donne. Papa, j'ai grandi là-bas, non? Je ne suis pas un gars qui est en bain, j'ai grandi là-bas. Je connais comment ça fonctionne. J'ai grandi là-bas. Je ne sais pas que je suis étranger. Moi, quand je suis au Cameroun, je suis à Bafia, je dors là-bas. On me connaît. Bien. Pourquoi tu ne connais pas ça? Ces gars, ils font ça à Bokito, ils font ça à Ombessa, ils font ça. On a nommé un nom à Djibimé, ministre, pour pousser ses frères à commencer à vendre les terrains. Parce qu'il y avait une particularité, c'est que les Yambas ne vendaient pas les terrains. Non. Pour avoir un terrain chez les Yambas, il fallait que tu te lèves à 5 à 4 heures. Mais à l'heure où je vous parle, la vente qui est là-bas, c'est grave. Il dit que la vente qui est là-bas, c'est grave. Du jour au lendemain, les gens qui n'avaient pas la culture de vendre le terrain, les enfants ont commencé à faire le sassayer. C'est un nom. Il dit que quand je vous dis que c'était une culture sur le Yambas à vendre le terrain, mais attends. Il a intervenu sur le nom. Va chez les Bafias, nous sommes à la frontière, on ne vend pas le terrain. C'est toi le langage. Il te disait que non, on est à la frontière. On ne peut pas vendre à la frontière, on vend au milieu. Donc va chez les Bafias. Là-bas, ils vont te vendre, que toi, tu vas rester dans le département. Mais, quand tu vois ça, tu ne parles que tu ne connais pas. Papa, nous, on a fait la vraie école. La vraie école. La vraie. On nous a expliqué. À l'époque, quand on nous expliquait ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On ne croyait même pas. On partait même s'asseoir en disant que c'est même vrai, même les machines, cela. Mais c'est maintenant qu'on se rend compte que tout ce qu'on nous a appris il y a de cela, 20 ans. Mais on voit que c'est la vérité aujourd'hui.
C'est un système. C'est un système dont M. Biya a dit donnons les 80%. Nous, l'élite, prenons 20%. Voilà la mort de Paul Biya. Pourquoi donner au peuple 80% et l'élite 20%? Non. Le peuple doit continuer à avoir ses 20% et l'élite 80%. Mais voyez avec quelle facilité cette gens de construisent les maisons. Le Cameroun avait des salaires de 360 000 francs, catégorie A2. Il n'y avait pas le boom immobilier. Le ciment était moins cher. La ville de Yaoundé s'est agrandie en largeur et en longueur. Par contre, le pouvoir d'achat du petit peuple ne fait que diminuer. Sinon, la ville de Yaoundé s'est agrandie en longueur et en largeur. Comment vous expliquer? Donc, plus le petit peuple devient pauvre, plus l'élite devient encore et encore riche. Donc vous dites taisez-vous. Oui. Ouais. J'attends seulement que mon dernier fils, qui grandisse un peu là. Dès qu'il est déjà un peu grand, qu'il puisse prendre l'air, Cameroun, dans quoi direct. Parce qu'il faut en ce moment que les gens qui sont courageux disent que mais l'affaire, si on faut s'attaquer à ça. Comment on peut démanteler toute une organisation traditionnel. Comment? Comment vous expliquer mais oui, quand vous regardez un peu comme ça à l'horizon, vous voyez bien que l'horizon du Cameroun est sombre. Vous voyez que c'est sombre. Et c'est ça qui est dangereux. C'est dangereux. Moi, je dis une fois de plus, il faut que les gens soient courageux. Quand un fonctionnaire construit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maisons. Yaoundé doit. Mais attendez. Est-ce qu'il y a un problème? On nomme un DG. Mais il y a des gens qui viennent me dire, mais Abdel, qui les nomme? Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez comment on fait pour nommer? Ah, vraiment utile. J'ai suivi un débat à Radio Balafon. Il y avait un monsieur, c'est Mumbio, avec monsieur Hilaire Zipan. Mes chers compatriotes, non, on va parler ça demain. On va parler ça demain. On ne vous trompe pas. Restez serein. Si un leader politique au Cameroun vous demande de sortir pour aller manifester, ne sortez pas. Il n'y a aucun leader politique camerounais qui vous a parlé du système qu'il faut le changer. Il faut quand même reconnaître, honnêtement, que Cabral l'a dit. A proposé le fédéralisme communautaire. Oui, c'est un changement. Mais est-ce que le fédéralisme communautaire qu'a proposé Cabral Déby n'est pas de reproduire le système actuel dans les régions? C'est-à-dire une élite qui ne produit rien doit vivre sur le dos du petit peuple. Il faut le connaître. Que lui, il a quand même proposé. Parce que si j'ai dit ici que quelqu'un n'a pas proposé quelque chose de différent,
c'est que je suis malhonnête. Je dois reconnaître que Cabral Lévy a proposé quelque chose de différent. Mais c'est l'implémentation de ça que moi je questionne. Parce qu'il a parlé en gros, l'idée générale qui ressort. Mais l'injection au quotidien de l'État, ces États fédérés-là, ça sera comment? Comment seront prises en compte les intérêts de groupe X, de groupe A et de groupe B? C'est ça l'enjeu, mes frères. Parce que si on vous fait quelque chose, on vous fait la cosmétique, vous voyez juste les institutions. Moi, pour reformer l'État que vous voyez là, un fonctionnaire ne doit plus être véhiculé. Il est inadmissible que l'État du Cameroun achète les véhicules de 80 millions et donne aux gens. Pays pauvre, très endetté. Canada, pays industriel qui envoie les gens dans la lune. Ces fonctionnaires n'ont pas de véhicule. Tu achètes avec ton argent. Un gars a bon de carburant. Il ne sait pas qu'il a un seul carnet. Il a une dotation annuelle de carnet de 10 000 qu'il n'utilise même pas tout. Et quand l'année finit, il brûle parce qu'il doit continuer à avoir sa dotation annuelle. C'est inadmissible. Vous comprenez? Je dis c'est inadmissible. Dans un état pareil, les gens mettent ça de côté. On vient vous dire que Paul Biya est vieux. Il faut l'enlever. Ici, lorsque tu as la voiture de fonction au Canada, tu l'utilises de lundi à vendredi. Tu déposes ça au travail le week-end. Et si tu vas aller faire ta propre course, tu prends ta voiture personnelle. C'est tellement compliqué que les gars préfèrent venir au travail avec leur propre voiture. On a bâti un système où tu as une classe de gens qui ne produisent rien, mais qui vivent sur le dos des autres. Et ces gens contrôlent la police, ils contrôlent l'armée. Donc dès que tu vas vouloir venir les enlever, ils vont te dire que j'ai la violence légitime. C'est de l'escroquerie. Voilà Dominique. Dominique dit que papa, tu ne déposes même pas la voiture. La voiture reste là-bas tout le week-end. C'est quoi ça? Et là, c'est un pays développé. C'est un pays développé. Mais un pays qui n'a pas les moyens. Un pays qui ne fabrique rien, même les cure-dents. Lui, il donne à ses fonctionnaires les voitures. Et on les appelle administrateurs civils. On donne une voiture. Mon frère! Moi, je suis dans un pays où l'homme qui est le représentant de l'administration, c'est le maire. Il administre la ville. C'est le maire qu'on connaît ici. On ne connaît pas le préfet, le sous-préfet, le premier adjoint préfectoral, le deuxième adjoint préfectoral. Des gens qui consomment et ne produisent rien. On voulait créer comme ça. Ils sont en train de... On a maintenant créé une deuxième catégorie. On a maintenant créé président régional, conseiller régional. Tu peux te suicider quand tu vois ça. Des gens qui vont vivre sur le dos des autres. Des gens ont ruiné le Cameroun. Ruiné.
Moi, je dis, il est préférable de revenir si on me pose la question. Quel État fédéral tu veux? Je dis que papa, je veux l'État fédéral basé sur des communautés. Chaque communauté sait quels sont les liens qu'il avait de la communauté X, la communauté A, la communauté B. On bâtit l'État comme ça. Et on met, mes chers compatriotes, toujours poser sur la table les intérêts économiques avant les intérêts politiques. Lorsque vous allez organiser l'économie, la communauté X doit savoir ce qu'elle va apporter dans un État. La communauté Y doit savoir ce qu'elle va apporter. Vous ne pouvez pas être un État pauvre qui ne fabrique pas sa monnaie, qui vit de la vente de ses matières pour acquérir des devises, pour acheter les biens de consommation pour ses propres besoins. Vous dites que vous devez avoir une classe qui, elle, est appelée à manger et à gouverner sans produire. Mais c'est pas possible. On a renversé quelque chose au Cameroun qu'on ne comprend pas. Mais ce que tu dis, c'est la vérité, Dominique Boulet. Avant, c'est la diaspora qui avait les maisons au Cameroun. Aujourd'hui, ça s'est renversé après les années 90. C'est les fonctionnaires qui ont le parc immobilier camerounais. Comment vous expliquer? C'est les fonctionnaires qui ont tous les parcs immobiliers camerounais. Ils se sont partagés les biens de l'État dans toutes les régions. Ils se sont partagés les maisons de l'État. Aujourd'hui, on affecte un ministre, on nomme un ministre, on cherche où le loger. Bonne soirée, on se prend demain.